Bonjour, toujours dans la programmation orientée objet avec Java. Aujourd'hui, nous allons essayer de montrer comment accéder aux bases de données. En particulier, nous allons utiliser MySQL. Alors, donc, ce qu'il faut connaître dans cette présentation, déjà, comment mettre en place une architecture d'une application pour, ma pour manipuler une base de données, tout en assurant les différentes opérations. C'est-à-dire Create, Research, Update, Delete. Donc, ici, dans un premier temps, nous allons commencer par une architecture classique. Et par la suite, nous allons l'améliorer tout en séparant les différentes couches. À savoir, ici, nous avons deux couches principales qui sont la couche présentation et la couche d'accès aux données. Et par la suite, nous allons améliorer cette même architecture pour la rendre une architecture basée sur euh, le design pattern des AO. Donc ici encore, euh, on va découvrir quelles sont les classes et interfaces nécessaires pour manipuler une base de données qui se base sur le driver GDBC, les différents fournisseurs d'accès aux bases de données, en particulier ici nous allons utiliser MySQL, et aussi montrer quelles sont les principales étapes pour manipuler des enregistrements d'une base de données, soit en termes de création de nouveaux enregistrements de suppression, de mise à jour et aussi de récupération des enregistrements pour les afficher à l'IHM. Donc, en général, une architecture d'une application Java pour manipuler une base de données, on peut la séparer en deux branches si on va se baser sur un cycle de vie en Y, tout en séparant les, les exigences fonctionnelles et les, les exigences techniques. Donc, euh, cette application, bien sûr, elle va avoir un code source Java et ce code source Java va euh, essayer d'accéder à notre base de données via un code source basé sur Java qui se base à son tour sur le pilote GDBC que nous allons télécharger par la suite pour permettre l'accès à base de données. Donc, le GDBC, c'est quoi exactement? C'est une API Java pour connecter des programmes Java à des systèmes de gestion de base de données. C'est un ensemble de classes et interfaces Java. Et bien sûr, il va permettre d'établir une connexion à la base de données, d'envoyer des requêtes et récupérer les résultats des requêtes. Alors, l'architecture que nous allons proposer, c'est la suivante, c'est-à-dire l'utilisateur, il peut accéder à la base de données via euh, différents types d'applications, soit une application console, soit une application Java basée sur les swings, ou bien une application Java basée sur JavaFX, ou bien une application web. Ici, dans un premier temps, nous allons essayer de mettre en place une application console, et par la suite, nous allons euh, améliorer cette application pour utiliser JavaFX derrière. Donc, l'interface, ou bien l'IHM, elle va... Accéder à un composant basé Java qui va jouer le rôle d'accès aux données ou bien un composant qui assure l'accès aux données. Et dans ce composant-là, on va écrire les différentes requêtes. Bien sûr, il est exécuté par le biais d'un ensemble, par le biais des objets qui vont manipuler notre base de données qui est déjà créée sur notre SGBD, euh, à savoir ici exactement MySQL. Donc, notre table, ou bien notre base de données, elle s'appelle Magasin DB et elle contient une seule table jusqu'à maintenant qui est produit et qui contient un ensemble d'enregistrements. La structure de cette table est la suivante. Elle a un ID, une désignation, une quantité, un prix, une date. Ici, on va considérer cette date comme date euh, de premier arrivé de notre, de notre euh, euh, produit. Euh, et c'est-à-dire sa, sa première apparition dans la base de données. L'équivalent de cette table sur MySQL, c'est une euh, classe Java donc qui représente tout, toute la structure de, de la table sur MySQL qui est composée des attributs, à savoir l'ID, la désignation, la quantité, le prix et la date, et bien sûr accompagnée aussi par les getters et setters, et un constructeur avec paramètres pour donner lieu à des objets de type produit et aussi une méthode toString qui va retourner une chaîne de caractères qui contient la description de, de, de n'importe quel produit. Alors dans la suite, maintenant, l'objectif, bien sûr, est de d'implémenter la partie console et aussi d'implémenter le composant d'accès aux données pour permettre finalement à exécuter des requêtes SQL vers la base de données. Alors normalement les objectifs à réaliser ce sont les suivants, c'est-à-dire notre application c'est une application console qui est constituée d'une simple classe Java ayant le main pour la rendre exécutable et bien sûr nous allons développer le module ou bien tout simplement une autre classe qui va euh, constituer le composant d'accès aux bases de données donc bien sûr on va commencer par créer déjà la méthode ou bien la classe euh, programme qui constitue la partie IHM donc cette partie normalement elle a cette classe elle a la méthode main et bien sûr on doit euh, développer un module qui s'appelle produit euh, DAO ou bien qui s'appelle produit data access et bien sûr on va faire euh, une instance qui va instancier cette classe ou bien ce composant à développer par la suite et une fois développé ce composant là on doit être capable bien sûr à partir de l'ihm de faire un, une méthode qui get GetAll, pour récupérer finalement une liste de produits. Donc c'est ça l'objectif de notre euh, application dans dans un premier temps. Alors bien sûr ce composant là c'est c'est à développer. Donc cette classe normalement c'est une simple classe Java qui va avoir les objectifs suivants. C'est-à-dire premièrement c'est charger le driver, se connecter à la base de données, écrire des requêtes SQL, envoyer les requêtes SQL vers le système de gestion de base de données, récupérer les produits à partir de la base de données mais via le, le GDBC et finalement une fois la liste de produits est prête, il faut la renvoyer à, à la partie console. Donc toutes ces étapes bien sûr sont à implémenter au sein de la classe produit data access. Donc, pour permettre ça, bien sûr, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut euh, déjà connaître quels sont les différents éléments qui vont appartenir à notre euh, composant data access. Alors, pour assurer ces opérations, c'est-à-dire le deuxième composant, il faut le détailler davantage pour montrer quelles sont les classes interface déjà disponible euh, avec le GDK pour pouvoir faire ou bien pour pouvoir accéder à notre base de données. Alors ces éléments bien sûr déjà là, là la classe produit data access elle va assurer d'ajouter un produit à la base de données c'est recevoir en paramètre un produit et bien sûr euh, renvoyer on peut renvoyer un produit accompagné d'un de son ID Sinon, ici on peut tout simplement faire un, un void. Aussi, on peut mettre en place une fonction delete en recevant l'ID du produit à supprimer et écrire la requête et par la suite supprimer l'enregistrement. Le, Aussi, get produit by ID, cest récupérer un seul produit, get all que nous sommes en train de développer, retourner la liste de, de produits et get produit by keyword, c'est-à-dire simplement récupérer la liste des produits qui commence par exemple par euh, une chaîne de caractères et qui renvoie une liste de produits. Bien sûr, ce composant il dépend de la classe produit que nous avons déjà euh, son code source, mais ce composant là il va se baser sur un ensemble d'interfaces qui sont déjà disponibles dans le package java.sql. Et parmi ces interfaces là, on va commencer par l'interface qui est proche de la base de données et qui va permettre de bien sûr de charger le pilote nécessaire pour se connecter à la base de données donc cette classe là elle s'appelle driver manager donc ou bien c'est une, une classe voilà c'est une classe qui va nous permettre de récupérer de récupérer une connexion donc driver manager c'est une classe ayant une méthode qui va permettre de retourner la connexion. Une fois la connexion est lieu, elle va nous permettre de d'instancier ce qu'on appelle de une prepared statement ou bien statement, parmi les les deux. Et une fois créé le prepared statement à partir de la connexion, à ce moment là, on peut exécuter une requête. Et une fois le prepared statement est prêt, à ce moment-là, l'exécution de la requête est possible, qui peut, par exemple, retourner un résultat. Donc, toutes ces interfaces et cette classe-là, ce sont des composants techniques qui vont assurer la réalisation de l'ensemble de ces opérations pour manipuler une base de données. Nous, bien sûr, nous allons commencer par réaliser cette méthode qui est getAll. Et la même logique sera euh, appliquée pour réaliser les autres méthodes. Alors, dans un premier temps, on va essayer d'utiliser java.sql.driverManager pour récupérer une connexion vers la base de données. Alors, maintenant, nous allons essayer d'assurer de, des opérations sur la base de données et on va commencer par assurer la connexion et pour assurer la connexion on a besoin d'un ensemble d'informations à savoir ici on a besoin bien sûr de, de la chaîne de connexion de la chaîne de connexion le nom de la base de base de données ensuite on a besoin de nom d'utilisateur user et son mot de passe alors toutes ces informations, normalement, elles vont permettre d'assurer la connexion avec avec la base de données. Alors la base de données, normalement, ce nom, c'est une, euh, c'est un, tout simplement, je vais mettre DB. C'est une chaîne de caractères qui s'appelle, donc qui s'appelle ici magasin dv. Magasin DB. Ensuite, l'utilisateur, c'est un, une chaîne de caractère qu'on va l'appeler route. Et aussi, cet utilisateur, il a un mot de passe qui est égal à vide donc pour, ma, pour mon cas. Et ensuite, bien sûr, l'URL de la connexion, c'est une chaîne de caractère. URL égale, bien sûr, égal à GDBC, GDBC, deux points local MySQL, deux points ou bien localhost. Ensuite, le numéro de port 3306, le port sur lequel euh, le SGBD MySQL euh, écoute. Plus, bien sûr, le nom de la base de données, ça c'est l'URL de notre, de notre base de données. Bien sûr, maintenant, pour se connecter, on a besoin d'une connexion. Alors, cette connexion, normalement, on va la référencer par, par une interface qui est connection, qui appartient bien sûr à java.sql.connection. Cette Objet, il s'appelle connection, égale à quoi égal à driver, driver manager, bien sûr, point get connection. point get connection qui reçoit les trois arguments et va retourner une connexion. Donc la première chaîne de caractère, c'est l'URL, la deuxième chaîne de caractère, c'est l'utilisateur, et la troisième chaîne de caractère, c'est le mot de passe. Donc ici, on va mettre. URL. Ensuite, on va mettre l'utilisateur qui est ici root. Et la troisième chaîne de caractère, c'est le, le mot de passe. Alors maintenant, une fois bien sûr euh, exécuté cette partie-là, on doit avoir la connexion à la base de données. Donc normalement, ceci doit lever une exception. Sinon, on doit mettre ce travail dans un... Constructeur pour pouvoir assurer un traitement qui est équivalent à la gestion d'exception. Donc, ce constructeur-là, il porte le même nom que la classe. Donc, public ça. Et par la suite, il y a début et bien sûr la fin du, du constructeur. Bien sûr, ici, cette connexion, elle avait une exception. Donc, nous allons tout simplement euh, utiliser try-catch pour assurer ceci et on va aller vers programme pour finalement essayer de d'exécuter la méthode main et une fois exécutée la méthode main, on va faire appel au constructeur qui va essayer de se connecter. Et après l'essai de connexion, on va bien sûr afficher un message connected si la connexion est réussie bien sûr, il va nous afficher il va nous afficher une une méthode comme quoi, ou bien un message comme quoi il est connecté. Par contre, jusqu'à maintenant, si vous avez remarqué, il y a une exception qui dit comme quoi le GDBC n'est pas, pas disponible. Donc, pour ce faire, normalement, dans notre projet, dans notre projet, bien sûr, il faut ajouter notre projet, c'est celui-là qui contient le package euh, 23 qui correspond à notre application mais il faut ajouter le, le driver de MySQL, parce que jusqu'à maintenant, il n'a pas trouvé le driver relatif à, à MySQL. Donc, il faut cliquer par la droite sur le projet, et ensuite aller vers Libraries, Add External Jars, et ajouter le jar MySQL, parce que moi, pour mon cas, je l'ai déjà téléchargé, et je l'ai mis sur la racine de dans mon disque dur qui est C2. Et bien sûr, il faut l'ajouter ici. Et une fois l'ajouté, bien sûr, il va vous ajouter dans euh, référence libraries, il va vous ajouter la, la classe concernée. Si après l'ajout, vous allez avoir un point d'exclamation ici, cela dit que qu'il ne s'agit pas d'une bonne version de MySQL. Donc, il faut chercher la bonne version de MySQL l'ajouter à votre, à votre projet aussi vous pouvez avoir le point d'exclamation dans le cas où normalement vous allez déplacer par exemple ce jar là et le mettre dans un autre dossier c'est à dire ici par exemple on va mettre test 3 par exemple on va mettre dedans ceci alors certainement puisque il n'y a plus le, le jar dans la racine, si vous allez retourner à votre projet et vous allez l'actualiser normalement il va alors il va il doit avoir un point d'exclamation sur cette forme. pourquoi? parce qu'il est euh, il, 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 il fait appel à une à un jar qui qui, qui n'existe pas et si vous allez encore dans la structure de votre projet Java c'est à dire ici dans le, le class path. Donc, GL site. Voilà, c'est exactement celui-là. Si vous allez dans le class path, vous allez que votre, votre euh, fichier de configuration XML, normalement, il fait appel à, à ces deux points machin. Et puisqu'il ne trouve pas ce, ce jar, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va réclamer comme quoi le, le jar n'est pas existant et cette erreur, normalement, on peut l'éviter de la manière suivante. C'est-à-dire vous allez aller vers ici et peut, vous allez aussi dans la hybridise et vous allez trouver ici euh, une erreur. Vous pouvez supprimer ça, d'accord, et vous pouvez ajouter des, des jars. Et maintenant, notre jar, normalement, se trouve ici dans, dans ce dossier. Et voilà. Maintenant, ça, c'est pour éviter le point. D'exclamation. Et si on va bien sûr revenir pour exécuter notre application, alors jusqu'ici, normalement, il n'a pas affiché le. Alors, c'est quoi Non souhaitable. Voilà, magasin DB. Non souhaitable driver found. Alors, toujours la même erreur. Alors. Alors, normalement, ici, c'est gdbc, gdbc, et ici, normalement, il faut ajouter deux points. Donc, maintenant, si nous allons exécuter, il va afficher le message connecté. Donc, maintenant, nous sommes connectés dans notre base de données. Alors, les étapes qui, qui suivent, donc, ce sont les suivantes. C'est-à-dire, il faut se connecter à la base, nous sommes connectés, et par la suite, il faut écrire la requête SQL. Alors maintenant pour écrire cette requête là tout simplement nous allons nous allons mettre en place une autre fonction d qui s'appelle euh, alors qui s'appelle get euh, qui, qui va retourner une liste de produits qui va retourner une liste de produits qu'on qu appelle getAll. Alors cette méthode on va commencer déjà par créer une liste donc égale à new array list maintenant notre liste elle est vide on peut la retourner et bien sûr entre autres il faut la remplir par des produits c'est-à-dire il faut commencer par écrire la requête ensuite exécuter la requête et finalement remplir liste donc, pour déjà écrire la requête, la requête, c'est une chaîne de caractères. Donc, on peut la nommer SQL, égale, en fait, Select, étoile, from, produit. Dans un premier temps, on va récupérer toute la liste. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut Il faut exécuter la requête. Donc, pour exécuter la requête, il faut faire référence à ce diagramme. Donc, Driver Manager. Il nous a permis de retourner une connexion. C'est une méthode statique qui retourne une connexion. Maintenant, nous sommes connectés. Et cet objet-là, normalement, il faut le rendre visible par toutes les méthodes. Pour qu'il soit visible par le biais de, aussi de getAll, il faut qu'il soit un attribut ici de, de, notre, de notre classe qui est initialisé à et nul. Et une fois appelé le constructeur, le connection est initialisé. Alors nous avons dit que connection est récupéré à partir du driver manager et le prepared statement il sera récupéré à partir de connection. Et il faut signaler ici que nous avons deux méthodes, nous avons prepared statement et nous avons statement. Donc il y a une grande différence entre les deux en termes de sécurité et de performance. Alors le prepared statement est le plus sécurisé que statement et aussi il est plus rapide. Donc le statement c'est un c'est une classe d'accord qui permet de récupérer ou bien d'exécuter des requêtes. Il s'agit d'une mémoire non optimisée. À chaque fois il faut compiler la requête par le biais de statement, parce que c'est le statement qui va exécuter la requête. Et aussi, c'est une sécurité, donc avec le statement, on n'assure pas une meilleure sécurité. Pourquoi? Parce que il permet ce qu'on appelle l'injection SQL. Par contre, le prepare statement, déjà basé sur un concept de mémoire optimisé, donc les requêtes sont préparées, donc il s'agit d'une seule compilation et à chaque exécution on change les paramètres de la requête, c'est-à-dire si jamais par exemple nous sommes en train de charger dans la base de données plusieurs enregistrements à partir d'un fichier Excel. Supposons nous avons 1000 lignes dans le fichier Excel à insérer dans la base de données. À ce moment-là avec le statement, à chaque fois la requête sera compilée par contre, avec Prepared Statement, on va changer uniquement le, les paramètres. Mais la requête est écrite une seule fois et peut-être on aura l'occasion de, de voir en détail la différence. Et pour la sécurité davantage, l'introduction du concept de paramètres, bien sûr, empêche l'injection SQL. Donc, bien sûr, dans notre présentation, nous allons utiliser le, le Prepared Statement. Alors, le Prepared Statement, il le permet, c'est une interface qui permet de référencer un objet. Donc, ici, tout simplement le Prepared Statement. C'est une interface qui permet de référencer un objet. Et là, nous allons utiliser l'interface pour référencer notre objet. Donc, ça, on peut l'appeler PST égal à quoi donc nous avons référencé notre objet qui s'appelle pst par le biais de prepared statement et bien sur cet objet là il permet, il permet d'exécuter des requêtes c'est-à-dire ici execute qui reçoit aucun, aucune requête mais ici il re, aucune, aucun paramètre mais dont cette méthode là elle est surchargée et elle peut accepter plusieurs euh, types de paramètres. Ici, un seul paramètre de, cha de type chaîne de caractère. Ici, deux, deux, deux paramètres. Le premier, c'est une cha chaîne de caractère. Et le deuxième, c'est un entier, ainsi de suite. Alors, le plus important, c'est que le PST, il va nous permettre d'exécuter la requête. Donc, comment le récupérer On va le récupérer par le billet de, de connection, comme montré ici dans le diagramme. Donc, connection est retourné par le billet de driver manager et le prepare statement il est retourné par connection. Donc, ici, tout simplement, on va faire connection.prepare statement. Et il va recevoir, bien sûr, une chaîne de caractères. Donc, cette chaîne de caractères, normalement, elle peut représenter notre requête, notre requête SQL. Donc, ici, normalement, on a passer la requête SQL qui est déjà écrite à notre constructeur qui, ou bien notre méthode qui est prepareStatement prepare qui va retourner un, un, un prepareStatement et euh, exactement cet objet PST. Mais maintenant, normalement, il nous demande de gérer les exceptions relatives à cette, euh, cette inscription ou bien la méthode prepareStatement qui lève des exceptions de type SQL exception. Donc ici, il faut mettre try. Try, bien sûr, catch. Catch. Et l'exception, normalement, c'est SQL exception. Donc on va mettre exception ici. Et on va bien sûr, on peut afficher le message relatif à ça par le biais de get, bien sûr, get get string ou bien get sql euh, state. Donc ici il y a get message. Voilà. Donc il y a le, le GetMessage. Alors jusqu'à maintenant, on va voir maintenant est-ce que notre requête est bien exécutée. Donc on va afficher un message ici donc euh, succès, succès de d'exécution de la requête. Et si la requête ou bien il y a succès, on va voir comment récupérer les données à partir de la base de données. Alors ici, on n'a pas appelé encore getAll. Alors tout simplement, maintenant, on va faire ça. On va faire A get getAll pour pouvoir exécuter cette, cette méthode. Alors, donc, si on va réexécuter, donc voilà, la requête a été bien... exécutée. Alors maintenant... Comment récupérer la liste des produits Alors, pour récupérer la liste des produits, il y a une autre interface qui s'appelle ResultSet et qui permet de, de mémoriser un objet capable de stocker le résultat d'un prepared statement. Donc, l'objet prepared statement, il permet de retourner un, un résultat sous forme de ResultSet qui, est, qui représente la table de notre base de données qui contient les champs. Ici, on a sélectionné tous les champs, donc comme s'il si va nous retourner la, la base de données ou bien toute la table sous cette forme, c'est-à-dire presque qu'il va retourner le même résultat de, qui va être représenté par Resultset. Alors ici, bien sûr, pour utiliser le Prepare Statement, on va bien sûr le mettre en dehors de try donc qui est initialement initialisé à nul voilà donc on va tout simplement mettre ceci alors maintenant nous avons notre objet la requête est exécutée avec succès on peut utiliser cet objet là pour faire bien sûr euh, get voilà get result set qui va qui va retourner euh, le result set qu'on peut l'appeler bien sûr un, un objet rs. Donc un objet rs égale get result set qui retourne normalement qui retourne un result set. Donc ici on va se permettre de mettre aussi ici result set toujours de l'interface euh, de java.sql. Donc ici rs égale à ça et maintenant Ceci est géré bien sûr par la même erreur qui est la gestion. Euh, euh, en fait, l'exception SQL exception parce que Gatsby 7 elle lève la même, la même exception. Alors maintenant, on va commencer par euh, en fait remplir la, la liste des produits. Donc, comment les remplir Bien sûr, par le biais d'une boucle et en particulier parcourir l'objet RS. Donc, nous avons une méthode qui s'appelle next, qui a comme type de retour boolean, c'est-à-dire uh, true ou false. S'il y a des enregistrements encore, elle va, afficher le, elle va aller vers le next. Sinon, elle va retourner false. Donc ici, bien sûr, tant que RS next. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ceci Bien sûr, au début, au début, comme si notre euh, record set, result set, il est, il est pointé vers la ligne moins euh, 1. C'est-à-dire, si l'indice ici, c'est 0, 1, 2, et ainsi de suite, comme si, normalement, le next, il, est pointé sur, il pointe sur moins 1. Donc, on va voir ici le détail, peut-être, de, de cette fonction. Voilà normalement on peut on peut chercher et trouver que comme si il, 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 il pointe sur moins 1. Un. Alors une fois mettre point .next, c'est-à-dire la première chose exécutée, c'est rs.next et à ce moment-là il va pointer sur le premier enregistrement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, nous allons essayer dans un premier temps d'afficher le résultat. D'accord Donc, afficher par exemple le rs.get et il y a plusieurs. Euh, par exemple, si on va mettre getString et on va lui passer par exemple une chaîne de caractères parce que getString ici, normalement, il est surchargé. Soit on lui passe l'entier qui, qui représente l'indice de la colonne, c'est-à-dire la première colonne, la deuxième et ainsi de suite. Si on va commencer par lui afficher 0, on va voir qu'est-ce que ça va donner 0 ou bien il commence avec 1. Voilà, donc ici normalement il commence avec l'indice 1. C'est-à-dire, si oui, donc c'est pas le premier, c'est un entier. Donc attendez, on va faire getLang get get long et mettre 0. Alors pourquoi j'ai mis getLang Parce que le premier champ c'est un ID et de type. Donc, je vais mettre getLang au lieu de getString et qui va retourner normalement. Alors, ici, il y a problème d'exécution. On va tester avec un, si jamais il commence avec 1 Alors, nil pointer à Java 47. 47, select, étoile, from produit. Donc, euh, c'est c'est de l'exécution donc euh, got ah oui ici normalement on n'a pas on n'a pas exécuté la requête, il faut faire attention donc ici il faut faire .execute d'accord, et qui va retourner un résultat donc comme si la requête n'est pas exécutée donc il faut faire appel à execute query qui va retourner un, un résultat. Donc c'est exactement celle-là qu'il faut, qu faut exécuter. Maintenant, on va tester avec ceci. Vous voyez ici, normalement, il a retourné tous les ID à partir de 1 jusqu'à jusqu 8. Et bien surtout, en commençant par, par, par 1. Donc si on souhaite afficher la, le deuxième champ, on va utiliser getString. getString2. Donc à ce moment-là, il va afficher bien sûr les, les chaînes de caractères Alors maintenant, au lieu d'utiliser des indices, il est préférable d'utiliser les noms. Par exemple, ici, le, le nom de colonne de la première colonne, il est ID. Donc on peut utiliser ici get, get long ID et qui va retourner les ID. Et qui peut être normalement accompagné par toujours RS.getString. GetString et on va mettre désignation ici. Donc il va afficher l'ID accompagné de, de la désignation. Donc ici l'ID et la désignation. Par contre, nous, notre objectif normalement c'est de récupérer la liste. C'est pour cela, à chaque moment où au lieu d'afficher, on va faire un list.add et bien sûr ici créer un produit. Donc parce que nous avons déjà un constructeur avec paramètres. Donc ici, la première chose c'est rsketlong.id. Donc on va construire avec les paramètres qu'il faut. Le deuxième paramètre c'est la désignation. Le troisième paramètre c'est un get, get int. Et bien sûr le champ c'est quantité. Donc le champ c'est quantité. Et ensuite, ici, normalement, c'est getDouble, parce que pour chaque type de données, il y a getString pour chaîne de caractère, getDouble pour double, getInt pour entier, getLang pour ID, ainsi de suite. Et il faut marquer ici que dans la structure de notre base de données, nous avons utilisé l'ID comme bigInt, c'est-à-dire c'est un langue, c'est pas un simple entier. Et en général, dans les bases de données, les clés sont utilisées, euh, ou bien les types utilisés, ce sont de type Link. Alors, la dernière chose, c'est GetDate. Donc, GetDate, bien sûr, c'est une date. Mais la date récupérée, normalement, c'est une date MySQL. D'accord Donc, la dernière chose, c'est une date. On va faire date de type, bien sûr, java.sql date égale rs.getDate et getDate normalement c'est une c'est une méthode qui va retourner une, une date de type de type euh, euh, de type ici java.sql donc la date elle est de type java.sql c'est pour cela on doit utiliser le même type donc celui de java.sql c'est pas la date de c'est pas la date de java.itul ou bien autre. D'accord, donc la date il y a java.itul, il y a java.sql. Donc on a utilisé celle-là. Et bien sûr dans notre table, bien dans notre euh, classe produit, le champ date, il est de type Local date. Local date, normalement, il est mieux. Euh, c'est une meilleure façon pour, pour utiliser les dates. C'est local date au lieu de date de java.util Alors, ici, on, a, on va récupérer la date par le biais de get date qui va retourner la date. Et ici, c'est le champ date. Par contre, nous, ici, dans le, dans le constructeur, il n'accepte pas une date de type, en fait, de type euh, java.sql. Par contre, il faut faire la conversion, c'est-à-dire, tout simplement ici, on peut faire date.toLocalDate, euh, d'accord, pour faire la conversion qu'il faut et voilà, normalement, notre constructeur qui marche. C'est-à-dire, à chaque itération, nous allons ajouter un, un produit à notre liste, et vers la fin, nous allons la retourner. D'accord Donc ici, l'exécution euh, bad format for number galaxy s5. Attendez, il y a quelque chose qui. Ici, on a utilisé get number, get string, get long, get table, get mais ici, il ne faut pas mettre désignation. Ici, normalement, c'est précis. Pour cela, il a affiché l'erreur suivante. Ça, c'est une exception. Alors, maintenant, on va exécuter la requête. Et vous voyez, normalement, il n'affiche aucun message d'erreur. Alors, on revient ici vers notre liste qui est prête à être affichée. Et on va utiliser, bien sûr, euh, la forme suivante d'affichage. Donc, pour chaque produit dans la liste. D'accord. Donc, pour chaque produit p dans la liste, on va afficher ces informations. Et puisque nous avons déjà redéfini la méthode toString ici dans la classe produit, d'accord, la méthode toString s'est déjà redéfinie sur cette forme-là C'est désignation plus tabulation plus la quantité" et ainsi de suite. Donc, avec cette redéfinition-là, on est capable d'afficher un, une référence et qui va faire appel d'une manière implicite à toString. Donc le résultat est est le suivant. Donc jusqu'à maintenant nous avons développé une seule méthode qui est getAll. Maintenant on peut euh, définir une autre méthode qui est getProductByByKeyword et qui reçoit en un paramètre une chaîne de caractères. Donc ici dans ProductDataAccess on voit bien sûr faire un petit copier coller de tout ce code source là et bien sûr on va essayer d'écrire une autre méthode qui est get on en fait get euh, alors get produit by keyword get produit by keyword et ici normalement le keyword c'est une chaîne de caractères euh, en fait, euh, name, ou bien des, désignation. Alors ici, on va faire le même travail. On a une liste, on a un prepared statement, on a un result set, mais ici, normalement, on va avoir une requête paramétrée, c'est-à-dire where désignation égale à un paramètre. Donc ça, c'est autorisé, bien sûr, par les prepared statements. Donc ce paramètre-là, on, on doit le signaler à notre prepared statement, notre objet prepare statement. Ici, on va mettre cette, euh, voilà, cette, cette string, parce que c'est une chaîne de caractères, qui accepte deux choses. Donc le premier argument, c'est le numéro de euh, en fait, le, le numéro de paramètre. Ici, il s'agit d'un seul paramètre, donc on va mettre un. Et le deuxième argument, c'est une chaîne de, de caractères. Donc, ici, on va mettre 1 et le deuxième paramètre, on va mettre désignation. Et si, bien sûr, si on va aller vers programme, au lieu de getAll, on va exécuter l'autre méthode qui est getByCode et on va mettre, par exemple, Galaxy. Alors, dans ce cas-là, dans ce cas-là, on va voir Galaxy. Donc, euh, on va afficher les produits. Donc, on a des galaxies. Par contre, jusqu'à maintenant, il ne va rien afficher parce qu'il va, il va chercher l'égalité. Donc, le résultat de la requête est aucun produit. D'accord. Donc ici, c'est pour cela il faut aller ici et mettre euh, désignation. Et au lieu de égal ici, on, on va mettre like, d'accord, like des. Et ici, on va mettre, euh, en fait ceci. Par exemple, on va mettre, il va commencer par la chaîne de caractères signalée et il peut terminer avec n'importe quelle chaîne de caractères. Alors maintenant, si on va mettre ici Galaxy, c'est-à-dire, il va retourner tous les produits qui commencent par Galaxies. Donc on va tester pour voir ça. Donc vous voyez ici il retourne que les galaxies. Par contre, si on cherche les noms qui commencent par TV, à ce moment-là, on va récupérer la, la liste des TV. Donc ça, c'est pour montrer comment utiliser euh, GDBC en fait pour assurer un accès à notre base de données. Donc dans un premier temps, nous avons défini l'architecture globale en disant tout simplement que nous aurons une application console et un module d'accès à la base de données et, un, et la base de données. Et par la suite, nous avons détaillé le composant data access et le composant euh, IHM qui, qui est une, une simple application console. Dans la suite, nous avons montré les différentes étapes qu'il faut mettre ici dans euh, la partie d'accès aux données. Et nous avons montré comme quoi la partie console, c'est une simple application euh, Java, simple classe Java ayant le main, et qui va accéder à, au composant Produit Data Access, qui va se connecter à la base de données, écrire la requête, envoyer la requête, récupérer la produit, préparer la liste et la renvoyer.